Okay, so the recording is on. Okay. So welcome to everybody. Do you have any questions about the things we did yesterday? Akur Beseder, everything's good? Yes. Okay, so today we are going to talk about differential calculus. Differential calculus. And the idea here is to actually define an object called the differential of a function. Okay, so this is the goal. Okay. The differential of a function. Okay, so do you know what's the derivative of a function? Yes, you saw that in première. So that was. But what is the differential? What's the difference between derivative, donc la dérivée, and the differential of a function, la différentielle? Okay, so the idea is the same. But you are in a different type of space with different dimensions. So we consider functions f that goes from Rm to Rm. Okay. So if m equal 1, the idea is the same you already know. We have this object f prime of x, which is the derivative. Okay. And the differential, I'm going to put it here. Df is the function that h gives f prime of x times h. Okay, so this is in brackets, and that's the differential in this case. And what happens if m equals 1 and n is an integer which is non-zero? Okay, then you have the gradient of f, and you already know what it is. This is just the vector of partial derivatives. Okay? So you have partial f, partial x1, partial f, partial xn. Okay? And here the differential will be differential of f is the function that h gives gradient of f at x times h. Okay? Now I am interested in a more general case, in the case n and m are actually any integer different from zero, so I'm interested in the general case. And the idea here, and for those who were with me last year in the cours de commande de système, we saw the Jacobian matrix. So the Jacobian matrix is the generalization to higher dimensions of derivative and gradient. So the Jacobian matrix of F, okay, Jacobian, maybe, I don't know if it's visible. So Jacobian matrix for a function f that goes from Rn to Rm. Okay, so it takes vectors in n dimension, x1, x2, xn, and gives you family of vectors in dimension m. So here you have f1 of x1, x2, xn, F2, F3, F,
m of x1, xn. Okay, so this is the idea. I have a function that takes a vector of dimension n and gives me a vector of dimension m. I want to differentiate this. So the Jacobian matrix G of F, okay, J of F at x1, xn is the following matrix. So it's the matrix of partial derivatives. So I differentiate F1 with respect to the first variable. I evaluate this at x1, xn. Then I continue, I differentiate F1 with respect to x2 at the same point, xn. And I continue until the derivative of the first component with respect to the last variable, evaluate that x1. Respect to x1, okay, and I evaluate this at x1, xn, and I continue the differentiation until the derivative of fm with respect to xn at x1, xn. So this is important because in general, we have functions of several variables that arrives to spaces of more than one or two variables, okay? So this is important. The important part here is just the m, okay? This is the new thing. And it's not very new if you were with me at last year, okay? So this function,
Okay, and this has to be evaluated at alpha, beta, and gamma, no? At x equals alpha, y equals beta. Well, it's okay. And z equals gamma. But we can do this at the end. Okay? So now, what's the expression of those partial derivatives? Okay, so the derivative with respect to h of x, which is the composition of two functions, u and v. Okay, so this notation means I am applying first v and then u. So this is u of v of x, and I want to compute the derivative of h with respect to x. Okay, so this is a well-known formula for you all. So what's the result here?
and it's actually not working often. So I assume they didn't solve the problem. Okay, so this is a well-known formula you already know for one-dimensional functions. And the idea here is to generalize this formula here to a composition of functions in any dimension. Okay, so I can give an example of composition of functions in any dimension. And there's a requirement here for the general case. And the requirement is with respect to the dimensions of the linear spaces where each function is defined. Because if I consider the general case, I have a function u going from Rm to Rp. Okay, and I'm applying that to V. So the image of V has to be of dimension M, because it's the input of U. So V is a function from Rm to Rm. So the composition H equals U composed with V is a function from Rm to Rp. Okay? And I want to define the Jacobian matrix of H. What is Jacobian of H? In terms, obviously, of the Jacobian of each of the functions. Okay? So you will see that the formula is quite the same as this one. Okay. Charging. Actually, I don't have my solar internet. It's very weird. Okay. So the Jacobian of H in terms of the Jacobian of U and V. And this formula is also known as the chain rule formula. Okay. And the function, the result is the following. So the Jacobian of H at X is equals to the Jacobian of U composed with the function V times the Jacobian of V. Okay? So you can see that the definition is almost the same. Okay. So we have to give an example of this computation. Okay. So let's consider, for example, U is a function from R to R2 that T gives cosine of t, okay, and V is a function from R2 to R2 that V1, V2 gives
V2 minus V1. Yeah, and you have to compute the Jacobian matrix of H, which is U. U is this function. Yeah, but H is going to be U composed by. Okay, so I guess there is a mistake on the power of R, right? No, why? Because I can't put R2 into R. Oh yeah, sorry, it's the opposite. This is U, and this is H. Okay. Okay. Who wants to try? But it's a try, right? This one is easy. This is dimension one. Where do I write? Here? Yeah, where you want. So you have to compute the Jacobian of U evaluated in V of X, okay? Everything is on X at the end. Can I like rewrite? Yeah, you can do it for what you want to do. Take your time. No pressure. Yeah, good to learn. So. I made a mistake, right? Okay, so the Jacobian of U is the derivative of V2 with respect to V1. Yeah, you call it here U1, so this is. You use U and V, so this is only U or barely V. Just to note you. So we're agreeing this, and I can't do anything right. Yeah, so the idea is here, you know, you have to evaluate this matrix at V. So, for example, if you. So, what's this component? So, you have to differentiate this with respect to V1. Yes. What's the derivative of this with respect to V1? Zero. Zero. Okay, so I can do 4. Zero. Now, this with respect to V2? One. One. V2 with V1? Yes. So what's the derivative of this with respect to V1? Minus. -1 and then 42 0. Yes. And I have to evaluate this at V, but I get a constant matrix.
So if I evaluate a constant function in any x, the value is constant. So I don't have to. Yeah. Now I do this one. Yes. So time. The derivative of this. So okay, so now I have a matrix multiplication of this by this vector. So line times column is cosine and minus sine minus plus sine. Okay. Yeah. So here actually x is t. In this case is t. Okay. Because we go from t to this and from this to that. Okay. Any questions about the computation? I do have one here. So what do I need to write? It's du1 over du1. U1. U1. Like, yeah. I mean, this is the function. Yeah, this is then du1 again over dv2, right? Well, let's call this differently. Like, this is j1. Yes, this j1. Is, capital U1 of u1, u2, okay? And this is, let me address the next thing. Yeah, this was a little bit confusing because I was using U for V. So if I want to give a full name with U, so this takes U1, little U1, little U2, and returns capital U at little u1, little u2, and capital U at u1, u2. This is 2, this is 1. And what's the precise expression of this? This is this is u1, not u2, sorry. And this is minus u1. Okay, so what is here is you are differentiating capital U1 with respect to little u1, capital U1 with respect with little u2, and capital U2 with respect to little u1, and capital U2 with respect to little u2. Okay. So this was quite easy because we were from R, so one dimension, to R2. What is this figure? What is this geometrical object? You asked the question the other. It's a circle. This is a circle. Okay. This is the parametric equation of a circle. Okay. At any time, we are going at x coordinate cosine of t and y coordinate sine of t. So if t is zero here, cosine of zero is one, sine of zero is zero, so you start here at t equals zero. And when time flows, I'm describing this circle in the plane, okay? So that's what it is. Now, what is this object geometrically? This is a vector field. Okay. A vector field is in the plane. So I have a two-dimensional space, u1, u2. And in each point, I am constructing an arrow. Why it's an arrow? Because this is a two-dimensional vector. And it's u minus u2 minus u1. So let's say I start in 1, 0. Okay. So u1 is 1, u2 is 0. What's the image of 1, 0?
0 minus 1. Huh? So here I have a vector like this. Okay? And if you compute a bunch set of vectors, you will have something like this for any point. Huh? A lot of arrows there. So this is a vector field. So when I do the composition of both functions, I am taking a time, moving around a circle, and constructing actually a trajectory of vectors here. Okay? You have one vector at each time, which is actually tangent to the circle. Okay? So that was this particular case. I have a parametric curve that describes a circle. That's the function v. And the function u is a vector field, which is a set of vectors in the plane, like a fluid flow. And the composition of both is actually just taking a particular set of vectors that describe a circle. Okay? That's one application. Now, another exercise with the same idea. Okay? Maybe, for example, I am going to have v a function from R2 to R, okay? And you will have to give me the geometrical interpretation, yes? En fait, l'application numérique dans le JH n'a marqué rien de V. Et pourquoi tu peux lui expliquer pourquoi il n'y a pas de V? Une fois que tu as calculé la matrice, elle est constante. Et c'est une matrice qui représente une application. Donc c'est une application constante sur peu importe ce sur quoi tu l'appliques. C'est constant. Tu vois? Alors, je relèverai d'ici. Alors. En fait, il y est le V. Sauf que quand je calcule cette matrice, qui est une fonction, en fait, je l'évalue en V. Quand je calcule cette matrice, elle est constante. Donc, c'est une fonction constante. Par exemple, Y égale 3. Et quand je l'évalue en X, peu importe la valeur de X, comme elle vaut 3, ça me donne la constante. Donc, ici, c'est un exemple très particulier où la jacobienne était constante. Si elle n'avait pas été constante, il aurait fallu que je remplace dans les variables, ici c'était U1, U2, la valeur de V, c'est-à-dire cosinus de T, sinus de T. On va faire un autre exemple, on va faire que ça aujourd'hui. Okay? Donc écrivez bien. Alors là, R2 from R2 to R, and this function takes X squared, takes x and y and returns the vector x squared, not the vector, just the scalar value x squared plus y squared. Let's say minus x. I prefer that example. And u is a function that goes from r to r2. And this function takes the time and returns, let's say, I don't know, whatever it is. R3. Cosine of t, sine of t, t. Okay. So you have to compute the Jacobian of this function and to give me the geometrical interpretation of u and v and the composition, just as we did here. Mm-hmm.
Okay, who wants to try it in front? I have help. Huh? I have some help. Yes. Like, I'm sure I did something wrong because this is impossible. That's okay. But here, I don't know how to apply this on V. V is this, right? No. No, it's good. V goes to R and then we apply on R to R3. Yeah, it's good. What is written is good. It's this, right? So we have V going to R and we apply on R and R3. But here, I don't understand because if I apply this on that, it becomes this, right? Yes. And the Jacobian for V here is derivative on X. So it becomes 2X and here minus 2Y, right? Do we run this part? Jacobian of V, okay, it's just, no. Jacobian of V is the derivative of x squared minus y squared equals to x, and okay. Derivative of x squared minus y squared equals to y. So it's in the other way. Okay. My bad. So this becomes this. Okay. And now I can
So the Jacobian of U, the Jacobian of U is actually just so this is a parametric curve in R3, okay, and the Jacobian matrix of U. So you have only one variable in the beginning and three in the end. Okay, so this is the partial derivative of, let's call it U1 with respect to T. Okay. Then the derivative of U2 with respect to T. And the derivative of U3 with respect to T. And this is minus sine of t cosine of t1. Okay, so that's the Jacobian of u. Now you have to evaluate that at v. So the Jacobian of u at v, okay, at a particular point x. This is minus sine of v of x and y, x squared minus y squared, then cosine of t is cosine of x squared minus y squared, and 1. Okay, so that's the Jacobian of u composed with v. Now the Jacobian of v, the Jacobian of V, you have only one component and you have to differentiate that with respect to every single variable. So you have the derivative of V1 with respect to X and the derivative of V2 with respect to Y. Okay, and this is, well, actually, yeah. No, I do not agree with that. Sorry? I do not agree with that because you said before that we have the same function on the line and we have the same variable that we derivate on the column. Yes. And you just told me the opposite. So this is 2x minus 2y. Yeah, I agree now. Okay. So I have this. Now I have to multiply that. So this with that, okay? Impossible. Comment ça, c'est impossible? Qu'est-ce qui ne va pas? G. Bah si, on a une dimension commune, c'est 1. Jacobienne de H, c'est. Je ne vois pas dans quel sens. Celle-là fois celle-là. Minus sine of x squared minus y squared. Cosine of x squared minus y squared 1 times this 2x minus 2y. Okay, so you know how to multiply matrices in column. Okay, so this gives me a matrix which is this times that. So it's 2x minus 2x. Sine of x squared minus y squared. C'est dans l'autre sens, non? Minus 2y. Non, c'est dans l'autre sens que tu peux pas. Sine of x squared minus y squared. And then cosine of x times 2x. And minus 2y
cosine of x squared minus y squared, and finally 2x minus 2y. Okay? So this is the Jacobian matrix of H. Okay? Okay. So there's something that you have to clearly see. If the composition here, H, is a function that goes from R2 to R3. Okay. So at the end, I get a matrix of two columns and three rows. Okay. So espace de départ, espace d'arrivée. Okay, R2, R3. Okay, now what is the geometrical interpretation of this? The first function is, you know, the revolution of a parabola. I never know how to draw this. It's like a Pringles. Okay. But I will do it in the computer. It's easy. Do you see my screen? Yes. Okay. So the first function was x squared minus y squared. Okay, so it's x squared minus y squared. And I'm going to plot that for any x and y that are in a disk. And that is plot 3D. There is a Pringles. That's the function. Now, this is the function v. And then I take the function u. So the function u takes any value time and gives me a spiral. What's the name? Helicoidal spiral. So you have this. So it's cosine of t, sine of t, t for t between 0 and 5 or something. Okay? So you have this spiral. Okay, I can take more, 15. Okay, this is the function. So you're composing that one with that one. Okay. And at the end, what do you get? You get a function that goes from R2 to R3. Okay, so it takes points in the plane and gives you points in the space. Okay. Any question? Can you show us? I can't because I can draw that function. I mean, I can compute the composition if you want. So this is V. Yes. So I can say V of X, Y is that thing. And then and then u of t is this function. So u of v of x, y is this function, but you know, it takes value on the plane, but gives me values in space. I can't draw that thing. Okay. I can draw that thing, but I can draw that thing for special cases, for example, for just in the circle or something. But I can compute the Jacobian here. So what's the derivative of this function with respect to x, y? Okay. Okay, so
we are supposed to have the same thing at the end. So it's a good moment to see if the answer was correct. There is a minus. There is a minus here. Okay, so this is the chain rule. Okay, if you have a composition of functions, here we have just two, but we can have 15 or more. Yes. And the Jacobian is the generalization of the gradient for more general functions. Okay, so in machine learning, you have neural nets. Let me find an image of neural nets. Okay. Yeah, this is not so bad. Okay. So next year you are going to see neural networks, and they are a large family of neural networks. And neural networks are essentially a graph. That means that you have nodes, and you have arrows between the nodes. The arrows have a direction, so it's a directed graph, and it tells you how the information is propagating from one side to the other, okay? The basic idea here is that you have some weights. W stands for weight. And here on the left, you have some input, okay? So this input can be anything. It can be an image, it can be a text, it can be a sound. If you want to classify instruments of music, it can be anything. Okay, so you have here an input. This input has to be encoded into a numerical vector. Okay, so your input x is a vector in Rn, okay, in a n-dimensional space, and this vector is going to propagate inside. You multiply each value of the vector. Here you have only a two-dimensional case, but it's the same with n dimensions. And you say, okay, I'm going to multiply x1, let's say it's 1, by each weight. So I have 1 times this weight plus 1 times this weight plus this times this plus this times this. And every single information is going to this. This is the dot product, the inner product of x and the weights. You add some bias, okay, so it's just a number, and you add everything. So it's just a inner product. So it's a poiscalaire entre l'entrée et les poids. Donc là, il n'y a rien de méchant. Là où ça devient méchant, c'est il y a un phi ici. Ce phi s'appelle une fonction d'activation. Activation function that is non-linear, and that's why this is important, because the non-linearity gives me a power of approximating any type of function. And then I do that for any neuron inside this layer. So this is just one layer, but in general you have more. And then you add everything up again, so you pass to the next layer, and after some layers you get an output layer that gives you a value, and here you compute the loss, you compute the error you made in classifying something, right? So if I want to classify, I don't know, cats and dogs, the input is the image of a cat, but projected into a linear space. Ah, donc l'image, c'est pas juste un. Bon, je sais que je suis pas très clair.
Je vois. Beaucoup d'autres ouais, c'est cool. In fact, images, images like this one, they are just pixels. Okay? And each pixel is a numerical value. So, for example, for this image here, I have 5 × 3 pixels, I have 15 pixels, and each pixel has a numerical value. This is the case in grayscale. So it's just between black and white, between 0 and 1. If you have a color image, at least 3 components. You have 3 components depending on the color space. If you are in RGB or if you are in cyan, magenta, and yellow, but whatever. You have a matrix or a tensor, something like this, okay? And that's your input. That's the input. It's a bunch of numbers. If you have a 3×3 matrix, that's equivalent to have a 9-dimensional vector. 3×3, just take each row, and it gives you 1 9-dimensional vector. So that's the input here. That's the input here. You propagate that information on the weights. You compute some nonlinear functions that are called activation functions. And at the end, you get a result that can be good or bad. And you want to evaluate if the result is good or bad and how many times. And for that, you construct this loss function, la fonction perte. Et c'est cette fonction que vous voulez minimiser. This is the function you want to minimize. Okay? And this function depends on W. W are the set of all the weights in the neural net. Okay? So you have to compute the gradient of J with respect to W. I want the gradient of J with respect to the weights. Okay? But this function J is something like y minus the output here, S6. They call it here S6. Huh? So I have my expected result. I subtract the predicted result that has been computed on the weights. And this is a norm, actually. Okay? So I want to minimize this function, and to minimize this function, I have to compute the gradient descent. Sorry, there's a lot of pollen, and I'm very allergic to that. I do have antihistaminic because I'm allergic to. If you want, huh? I do have antihistaminic. If you want, because I'm allergic to. Thank you. Thank you. Don't hesitate. Sorry? Don't hesitate if you need. Peut-être c'est de la prednisolone. Je pense que j'en ai jamais pris. It's like I. Thank you. I think it's okay. Okay. So you can see here. Well, maybe you can, but I'm trying to show you why the things we are doing are related to this. My goal is to find the optimal weights. The optimal weights, and why they are optimal. Because they minimize the error I'm making on the predictions. Okay? Donc, je cherche les poids, ce sont des nombres qui sont optimaux, dans le sens où ils minimisent l'erreur de prédiction que je fais.
Donc pour cela, je dois minimiser cette fonction j qui dépend des paramètres w qui sont les poids. Combien de paramètres il y en a? Bah déjà autant que de liens entre les réseaux. Donc ça dépend de la hauteur du réseau de neurones, mais ça dépend aussi de la profondeur, dans le sens où un réseau de neurones peut avoir plusieurs couches, comme celle-ci. Donc, vous voyez qu'il y a autant de poids, en fait, que des lignes ici. Là, c'est juste 3, mais si j'en ai en général beaucoup plus, le nombre de variables dont dépend cette fonction J est gigantesque. Ça se compte en millions souvent. Donc, vous devez calculer la jacobienne d'une fonction composée. Pourquoi elle est composée? Parce que la sortie de ça, c'est l'entrée de ça. Alors, voilà. La sortie de ça, c'est l'entrée de ça. Et il y en a plein. Et à la fin, il y en a une seule, un output qui rassemble tout. Donc, c'est horrible. Et donc, je dois faire ça plein de fois. Plein de fois. Pourquoi? Parce que je commence par des valeurs aléatoires. C'est mon condition initiale dans l'algorithme du gradient. J'ai mon x0. On peut l'appeler w0 ici parce que c'est les poids. Donc, j'ai valeur initiale des poids. Et ce que je veux par la minimisation du gradient, c'est je calcule moins gradient de j. Donc, je fais bon, le gradient classique. Wn plus 1 égale Wn moins eta gradient de J. Ouais. Le problème, c'est que gradient de J, c'est un truc horrible. Donc déjà, sur des petits exemples, vous voyez que ce n'est pas très sympa. Si vous êtes en dimension quelques milliers, cet objet, il est horrible. Et ça, d'ailleurs, c'est une des raisons principales pour lesquelles les réseaux de neurones sont tombés un peu dans l'oubli, en tout cas de la partie importante de la communauté scientifique, pendant au moins 30 ans. Il y avait trois problèmes essentiels qui ont fait que ça ne sorte que maintenant. Le premier, c'était un papier que l'on va étudier l'année prochaine qui montre qu'un perceptron, il y a un petit truc comme ça, mais plus simple, ne peut pas séparer un XOR. Vous connaissez la fonction XOR, c'est le OU exclusif. Parce qu'en fait, c'est pas trop convenir, mais ces machins-là, ils font de la classification. Okay, bon, je vais écrire là parce qu'il y a des gens qui voient le tableau. En fait, ils ne voient plus. Bon, je vais le faire en milieu. C'est-à-dire qu'il faut que je remette ça. Alors, les réseaux de neurones peuvent servir à classifier des choses. Notamment, par exemple, si vous êtes un espace dimension n. Donc, vous êtes une banque. Okay? Et que vous voulez savoir si vous devez faire un prêt ou pas à une personne. Et bien, vous allez prendre un vecteur x des caractéristiques de la personne. Okay? Salaire, âge, sexe, je ne sais pas, nationalité. Etc. En fait, vous prenez un vecteur des informations comme ça, et en fonction de ça, vous allez avoir une distribution des gens dans cet espace de dimension autant de variables que vous avez pris. Et vous allez voir, du coup, peut-être des groupes, par exemple, par rapport à la question est-ce que je dois prêter ou pas. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas remboursé leur crédit, sont blacklistés, mais je connais leurs caractéristiques. Et il y a des gens qui ont remboursé les crédits. Okay? Donc, l'idée de ça, c'est de, étant donné un nouveau client qui vient me voir, est-ce que je lui fais le prêt ou pas? Est-ce que, de par ses caractéristiques, je le classe ici ou je le classe là? Okay? Donc, je construis une fonction, un classifieur, un réseau de neurones, c'est qui prend un argument, un vecteur x, et qui me renvoie OK ou pas OK. Bon,
Ça, c'est la classification. Les réseaux de neurones, les premiers, de Minsk, on a, pour ce perceptron, on a montré qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas faire une classification correcte pour le XOR. C'est quoi le XOR? Donc c'est A ou B, c'est entrée plat ou plat dessert. Okay. En maths, en général, c'est OU inclusif, mais le OU exclusif, c'est celui-là. Donc si vous prenez X et Y, et que vous dites, je trace la fonction XOR de XY. Par exemple, avec le signe, positif, négatif. Donc c'est positif ou négatif. Donc ça vous fait en fait quatre régions. Je vais essayer de les colorier différemment. Ça vous fait quatre régions. À étudier. Et en fait, un perceptron ne pouvait pas faire cette classification-là. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, la classification qui est faite par le perceptron est une classification linéaire. C'est-à-dire que ça sert à séparer les trucs par une droite. Par exemple, pour l'exemple ici sur le salaire, ça marche. Je peux prendre un hyperplan et séparer ces deux groupes. Okay. Mais ici, ça ne marchait pas. Et donc, c'est un peu tombé à l'oubli. Donc là, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que, comme vous avez vu, pour minimiser ces fonctions qui dépendent de beaucoup de variables, il faut faire des calculs de chain rule pour faire le calcul du gradient. Et comme ces réseaux de neurones sont tellement horribles pour calculer la différentielle, il fallait un algorithme pour le faire de manière optimale. Celui qui a donné la réponse, c'est un Suédois, un jeune en fait, qui travaillait dans un autre truc, qui était plutôt commande des systèmes. Et ça a été repris par un Français qui s'appelle Yann Lequin, qui est directeur de IA chez Facebook aujourd'hui, et qui a développé à fond le backpropagation algorithm. Donc, il a fait ce qu'on a fait aujourd'hui, mais dans le cas des réseaux neurones. Et la dernière raison, c'est qu'il n'y avait pas assez de puissance informatique pour le faire. C'est lorsque les gens qui faisaient du vidéo, des jeux vidéo, des choses comme ça, ont développé suffisamment les cartes graphiques, les GPU, pour que nous, un jour, donc les scientifiques, au départ, qui faisaient plus du calcul de performance, simulation d'écoulement sanguin ou de l'océan, des choses comme ça, se sont dit, bah, en fait, je peux paralléliser ces calculs avec des GPU, parce qu'en fait, il y a plein de petits processeurs. Et après, comme ces calculs-là sont des calculs d'algèbre linéaire, ça se parallélise super bien. Et donc, du coup, bah, les GPU, en fait, NVIDIA et tous les grands marques, AMD, mais surtout NVIDIA, ont vraiment poussé loin ces dernières années les limites de deep learning. Okay. Donc, vous voyez, pour un domaine particulier, parfois il faut attendre plusieurs avancées dans différents domaines. Un, c'était les maths, un, c'était l'informatique, l'autre, c'était un problème plus technologique pour que ça sorte. Okay. Donc, s'il y a un truc sur lequel vous devriez investir, à mon avis, dans votre formation aujourd'hui, il y a deux choses. Soit le machine learning, soit le quantum computing. L'informatique quantique. Voilà. Je pense que ça, vous n'aurez pas de problème si vous investissez dans ça. Et si ça vous intéresse, il y a aussi un domaine qui regroupe les deux. C'est le quantum machine learning. Dans lequel vous pouvez utiliser des algorithmes quantiques pour faire du machine learning. Oui. Bon, voilà, ça existe aussi. Ok, donc, vous voulez faire la pause maintenant? On prend 15 minutes et on reprend? Ouais, ça marche. Okay. C'est quoi le bordel? Oui, mais c'est un message pour vous. C'est-à-dire que la propriété de la solution, on peut, par exemple, pour le problème du voyageur de commerce, où tu dois trouver le chemin du passeport. Ça, c'est un problème pour lequel le réseau consiste à essentiellement tester tous les chemins.
Donc là, on les teste en parallèle. Là, on les teste tous en parallèle. D'un seul truc, chaque code. Et donc, ces problèmes qui sont des complexités factorielles dans les diagrammes classiques sont pratiques des liens linéaires. Ok, ouais, parce que alors, moi, je te rends compte que tu es très je vais essayer de plus, c'est compliqué.
Si d'appareil, ça a augmenté ou pas la d'appareil. En fait, le truc, c'est qu'on va se connecter à la borne, mais derrière, on n'a pas accès à Internet. Genre. C'est la vampire. On vient de rencontrer dans la nuit, on voit la vampire et on sait que c'est elle, la roi des montres. La vampire, oui, c'est ce qu'on vient de voir. En fait, je pense à moi, la vampire, elle dit les ordres de mon maître. Je pense que Kumoko, c'est le maître de la vampire. Mais ensuite, quand elle reçoit le maître du roi des monstres, c'est le roi des monstres, c'est pas son maître. Ouais. C'est Kumoko, c'est pas le roi des monstres. Mais tout laisse penser que Kumoko est le roi des monstres, alors que c'est pas elle. Bah oui, mais c'est le but du jeu. Oui, ça me crie longtemps parce que je vais finir par y croire, en fait. Je vais me dire que l'ennemi est tellement différent du monstre, qu'en fait, c'est possible. Si ça se trouve, ils vont faire un truc genre. Elle va avoir perdu. Bah non, elle a quand même une protection contre les manipulations de l'astre. Ouais, je sais pas. Ça la figure plus ça dedans, tellement, tu sais, qu'on a bien essayé de la contrôler. Ah non, non. Laisse-moi tranquille. En fait, je m'en fous. Oui. C'est très drôle. Et du coup, maintenant, on va lancer une contre-attaque. Comment ça, une contre-attaque? Eh bien, je vais vous envoyer plus de 3 temps. Allez, la bouffe. Détruisez-la intérieurement. Pourquoi il n'y a rien, là? Il faut être devant. Devant. Ouais, devant. Genre, c'est vraiment. J'étais à 3 mètres du truc, ça marche pas. Bonjour. C'est pour payer. C'est ça. Pour payer les cafés, là. Ouais. C'est chiant, il faut activer et le bouton, c'est la localisation, relou. Chaque fois, j'oublie de l'enlever, du coup, ça va consommer trop sur mon jeu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que... Vous l'avez commencé ? Je crois que j'ai même plus le lien. C'est ça, probablement. C'est quoi ça? Si, c'est le truc qu'on a vu, je crois, aujourd'hui, une réunion, et qu'en fait, du coup, on n'était même pas allé parce qu'on était en sortie de cours. On l'avait loupé, elle me disait juste qu'il faut faire un portfolio et tout. C'est à faire quand ça? Je vais faire ça pendant les vacances. Ouais, moi, je t'avoue, pendant les vacances, je suis là et je vais faire mes parties administratives, voir comment je vais pouvoir payer les codes et tout, les promos que je dois, etc. Du coup, j'aurai sûrement plein de temps et j'ai pas envie de se passer à rien faire. J'ai vraiment envie de tirer le projet vers l'autre. Du coup, si il faut, viens, on fait ce qu'on a dit, on fait un truc carré avec. Bah, chacun doit faire sa tâche, machin et tout, mais au moins, moi, j'en ai une tâche à accomplir. J'ai vraiment l'impression que c'est en mode. Je m'en fous de vous aller aussi. Je veux juste pas dire. Ouais. C'est fait, je fais ma partie. C'est même pas vrai. Moi, je n'ai pas rien à faire sur un projet qui est censé être en continu. Mon délire, moi, c'est pas prendre la main. Ça, pourquoi faire une application à la Piccolo? Ça, c'est mon objectif final. Et après, je sais que le chemin, il va me former tartan, tu vois. Ouais. Pour ça, je pense qu'on va faire un genre de. Parce qu'ils avaient pas l'air d'être
Ah, ils ont voté, je crois. Ouais, juste qu'on fasse le pay. Oui, je sais. Mais je m'en fous. C'est tant mieux si on prend des. Dans les yeux qui juste tracent en continu, ce qui est OK. Ouais, bah, c'est pour ça que je parlais de CD, C3 et C3. On peut juste faire un petit parallèle. On a rendez-vous quand avec le même de... Demain 16-15. Demain 16-15. S'il y a cette histoire de kick-up, c'est pas tout. Pour moi, c'est ça. Parce qu'en soi, tout ce qui est clair. Du coup, vous avez fini la commission. Il n'a pas pu travailler dessus parce qu'il n'a pas, en gros, l'envoi de téléphone, pas d'accès de ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les... on a discuté avec. Enfin, je suis allé discuter avec un mari, j'ai plein d'éléments. Et genre il se connecte en N switch et Alexis du coup il a fait comme une sorte de roadmap. On a réussi à faire deux connexions sur le même pour simuler comme si on avait deux switch. Il a fait comme une roadmap pour dire, je sais plus ce qu'on avait dit, il y a trois étapes en mode valider le truc pour que ça dépende pas du nombre de switch le temps d'exécution. La première c'est utiliser un fichier texte pour pas avoir à modifier le code source. Le deuxième c'est paralyser et le troisième c'est faire en sorte que ce soit adaptable sur les switches à 24 ports, même si on n'aura jamais. Je crois qu'il n'y en a pas à l'école. GitHub, c'est ça, quoi. Tu peux faire 48. Ouais. C'était 50. Après, ah, c'est... 24 et 48, c'est juste des histoires de nombre de bits en fait. C'est juste des histoires de nombre de bits à afficher, non? Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, c'est juste un nombre, le nombre entre les crochets à changer, quoi. Tu copies la fonction, tu changes le nombre. On les met en dalle, d'ailleurs. C'est quand que vous faites les soutenances de vos projets? Le 15 juin, je crois. Juin? Ah, c'est le dernier truc qu'on a à la main. D'accord, on est en vacances. Ouais, et après, c'est ça. En vacances. Ouais. Super. Ok, ben, je pense que je peux reprendre. Qui sont les autres nuages en train de prendre? Sont deux? Deux mondeurs. Bon, on va reprendre. Chez moi. Okay, just as a reminder, I have this book. Okay, this is your reference. It's one reference, and it contains the minimal amount of mathematics you need to know for machine learning. Okay, and I insist this is the minimal amount, in the sense that it's not really, really. But it's quite concise. Let's say that. Okay, so with Professor Fairbairn, you are studying linear algebra. How many classes you already had with him? Two. Okay. The most important notion there is singular value decomposition, okay? SDD. Now, we are talking about this vector calculus. We already done probability and distribution, chapter 6. We start with optimization, okay? Optimization using gradient descent, convex optimization. We are now going to chapter 5, vector calculus, Jacobian, something, and then coming back to Lagrange multipliers, okay? So just to let me show you what's the content here. So he explained the
the relationship between derivatives and Jacobians for optimization. Okay, so optimization, probability, everything's inside. Now, another application of Jacobian matrices is for performing change of variables in integrals. Okay, that's a little bit more geometrical than machine learning stuffs, but I think it's interesting just to know that. Let me give you one example of that. Okay, so for example, if you have a function, I have to change here. Yeah, okay. Let's say you have a function of x and y. It's a function of x and y. And you want to say that this function is equal to another function of the variables r and t. Okay? So this is Cartesian coordinates. And this is polar coordinates. This is just an example. This is also true for any type of coordinates you want. And they are actually a very large number of type of coordinates. And you want to perform this change of variable. So the idea here is that you have a function phi that maps x and y into r theta. And you have an inverse function of that, phi minus one, that goes from here to here. Okay? So the change of variables needs to be invertible if you want to be bijective and send one point into one point. And here the change of variable says that this point in x and y is also the point r theta. Here, r is the distance, theta is the angle. Okay, so you can compute how the space is changing when you change coordinates. And to measure that, you need the Jacobian. Actually, you need the determinant of the Jacobian. Okay, so that's the basic idea. Now, what is the Jacobian of phi? Jacobian of phi is the derivative of r with respect to x, the derivative of r with respect to y, and the derivative of theta with respect to x, the derivative of theta with respect to y. Now, what is r in terms of x and y? Square root of x squared. Square root of x squared plus y squared. Here we can say where y, r is x squared plus y squared, square root of that. And theta is arctangent of y divided by x. Okay. So, what is the Jacobian of this function that changed the variables from Cartesian space to polar space? Okay. Descends.
Is it a difficult computation? So, what's the derivative of arctangent of y? Isn't it like 1 over something squared? 1 plus 1, what square? 1 sur 1. And actually, this function is quite useful in machine learning because we can use arctangent for activation function and also hyperbolic tangents. Okay. C'est quoi si je fais de arctangent? Okay, so just to give you one more presentation, arctangent of x is something like that. So this can be used for activation functions in machine learning. Alexis, on a ça. Ça c'est vrai. Okay, who wants to correct the exercise? You? The computation of the Jacobian matrix. C'est pas U que tu as considéré par rapport à X. C'est pareil. Ton U, c'est Y sur X. Donc on veut calculer ça, non? Avec X et Y. Ouais, si tu veux. Oui, je suis d'accord. Donc la dérivée de racine de u, c'est u prime sur 2 racine de u, non? Thank you.
ça monte. I think here is minus y. Why? But if not, yes, I think it's correct. Okay, thank you. Okay, so this thing here is the Jacobian matrix. So, I don't know how to say. Look, for example, if you have a square in Cartesian coordinates, okay? You have a small square here. And this is dx, dy. Okay? So, the Jacobian here is telling you how much is varying each variable with respect to the others. So what's the surface of this square? Okay. So the surface here is dx dy. Okay. So when I am integrating something, you remember the exam? For the exam, you had to integrate a function over a region in the plane. This region was a circle. Huh? You remember for the exam? So for the exam, you were supposed to compute the integral over a circle C of a given function f of x, y, dx, dy. Okay? And this term here is known as a surface element measure. Surface measure. Okay? C'est la mesure surfacique. In measure theory, we say that the measure of a set is its size. And we say that probability is related to measure theory because computing probabilities is measuring the size of sets. Huh? So here, when I'm, for example, trying to compute a probability that my meteorite
is in region C. It was the integral of the density in the region C with respect to this measure. Okay. So now, if I'm changing the variables, I am making a composition. I'm saying that X is not longer X. For example, if I'm going to polar coordinates, X becomes R cosine of theta. I can have the equivalent of this. Okay, so, or R equals, X equals R cosine of theta, and Y is R sine of theta. Okay, so I am composing this function F with the function phi that takes R and theta and transform that in X and Y. Okay, so the idea here is to make a change of variables to compute that integral. But if you change the variables here, this integral now is something like the integral, okay, between 0 and the radius R, capital R, and between 0 and 2 pi. Because a disk is going from 0 to the radius R and from 0 to 2 pi in theta, no? So the idea here is how this measure is transforming by the change of variables. And then dx dy is going to be r dr d theta. So it's not just dr d theta. You have actually an r here. Okay? And this r is actually the determinant of the Jacobian matrix. So, phi minus 1. Okay. And here I have not longer f of x and y, but f of r theta. Okay. So, let's give an example of that. If I don't know, f of x and y is 1 over 1 plus x squared plus y squared. Okay. And I want to integrate that on the region C. And C, for example, is the disk of center 0 and radius R. So I'm integrating that on C of f of x y dx dy. Well, when I transform that into polar coordinates, this is the integral from 0 to R, from 0 to 2 pi of 1 over 1 plus R square. R dr d theta. And here I change the element of surface because when I'm transforming the coordinates, the size of this little square has changed in terms of dr d theta. Okay. Now, in this case, for example, what's the antiderivative of R divided by 1 plus R squared? R. C'est du U' sur U. Ça fait du ln de. Ln de 1 plus R carré.
Ça, ça fait du ln de valeur absolue de R. C'est U' sur U de 1 plus R carré. Et je divise par 2. Parce que sinon, la dérivée, c'est de pi, donc c'est 1 demi de ça. La dérivée de ln de U, c'est U' sur U. So, now this integral, when I integrate that with respect to R, this doesn't depend on theta. So there is no theta inside. So I just integrate that with respect to R. Okay, so this has to be evaluated between 0 and R. P theta. Okay. This is of length 2 pi, so this is just 2 pi divided by 2 is just pi times the natural logarithm of 1 plus r squared. Okay? Well, this is just to tell you that the R who is here is the determinant of this matrix. You compute the determinant of that matrix, it gives you R. Okay, donc les jacobiennes servent à faire les changements de variables. En fait, le déterminant de la jacobienne, qui s'appelle le jacobien, c'est le facteur d'échelle qu'il y a lorsque je passe de coordonnées d'un espace à un autre. C'est bon pour l'application de la jacobienne? Bon, voilà, c'est pas vraiment important pour machine learning, mais ça faisait sens avec l'exercice que je vous avais donné sur les météorites. Pour les météorites, du coup, on avait une région facile intégrée. C'était un disque. Donc, peu importe s'il n'est pas centré à l'origine, en faisant une translation, je me ramène à l'origine. Et là, j'intègre comme ça. OK. Now, I want to show you again this thing about Jacobians. Okay, show. Okay. You see this? Okay, so this is the book. There are some examples as we just did. It starts with differentiation of univariate functions, so that's very basic for you. And then how to differentiate a polynomial. You already know that since long time ago. The Taylor series. Okay, so this is the, also something you already saw in first year of engineering. Partial derivatives and gradients. Where are partial derivatives? What are gradients? How do I compute using the chain rule? And then, this is just a particular case, okay? And this is what we have done today. Gradient of vector valued functions, okay? So we have this Jacobian matrix, okay? The Jacobian matrix that you already computed some examples. This is just a drawing. This is the determinant of the Jacobian that gives you the scaling factor between one space and the other. Okay, and there are some more interesting results. Here, that gradient of matrices. So that's the part we're going to discuss now, okay, in the last hour. So you have a matrix and you want to compute the derivative of that matrix, okay, and it will give you a tensor, okay? Okay, so we will encounter situations where we need to take gradient of matrices with respect to vectors or other matrices.
which results in multidimensional tensor. We can think tensor as a multidimensional array that collects partial derivatives. Okay, donc les tenseurs sont hyper importants parce que on va utiliser ça un peu partout. Okay, in physics, mathematics, everywhere. Okay. So, c'est pire. Je suis sûr et je m'entends quand même. So, this is the multi-index notation. It's a notation that it is used everywhere in physics, in mechanics, in relativity theory, everywhere, okay? The multi-index notation. So, we're going to discuss that. So, for example, if you compute the gradient of an n by n matrix with respect to a P times Q matrix B, the resulting Jacobian would be M times N times P times Q, that is a four-dimensional tensor whose entries are given as J of I, K, L, and this is the partial derivative of the matrix A by J with respect to the matrix B K L. Okay. Donc on va dériver une matrice par rapport à une autre matrice. Voilà, ça se complique un peu plus. Donc c'est en fait le cas plus général qu'on vient de faire, hein, la jacobienne. Mais maintenant en dimension plus grande. Donc, on a fait des jacobiennes là, de RM dans RP. Là, c'est dans des tenseurs. So, a matrix A, which is in, for example, RM times M times 3, this is an image, okay? For example, you have a 4-pixel image. So here, n is 2, m is 2, and inside each pixel, you have three values of color, RGB, RGB, red, green, blue, RGB, RGB. Okay, so this is a tensor. Particular case of a tensor, but it's a very common example in machine learning. Okay? And you can have very more complicated tensors than that, and you need to compute the gradient of that tensor. Okay? So you compute the derivative of this matrix with respect to that other matrix. Okay? So, donc ici, hein, on a deux matrices, donc j'ai une matrice A, j'ai une matrice B. Je calcule le gradient de A par rapport à B, et ça me donne un objet bizarre, plus gros, qui est un tenseur, qui est donc la jacobienne, mais tensorienne. Okay. Donc, un peu comme tout à l'heure, vous voyez, j'avais pour la jacobienne... Ou à un moment, vous avez dit, on ne peut pas multiplier, crête. J'ai pris deux vecteurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Vous êtes habitué à faire ça, par exemple. AB multiplié par CD. Ça, c'est un produit scalaire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est A fois C plus B fois D.
Si je multiplie les vecteurs dans ce sens, j'obtiens un scalaire. Mais si je multiplie les vecteurs dans ce sens, j'obtiens une matrice. Hein, j'obtiens la matrice de tout à l'heure, CA, CB, DA, DB. Okay. Donc, c'est un peu la même chose ici. À partir des objets de dimension plus petite, je construis un objet de dimension plus grande. Qui est donc un tenseur. OK. Since matrices represent linear mappings, donc des applications linéaires, donc gentil. Hein? Gentil, pourquoi gentil? Parce que le linéaire est simple. A de, hein, c'est f de lambda x plus mu y, c'est lambda f de x plus mu f de y. Ça, c'est gentil. Okay? Tandis que les fonctions non linéaires, eh ben, ça ne se comporte pas comme ça. F de lambda x plus y plus mu y, ça c'est lambda f de x plus mu f de y. Ça c'est la linéarité. Et si je prends comme fonction le sinus, ben, celle-là elle n'est pas linéaire. Parce que vous savez bien que ça c'est pas vrai. Ça c'est pas lambda sinus de x plus mu sinus de y. Donc le sinus n'est pas linéaire. Donc les matrices, pour toutes les applications linéaires, en fait, elles ont une géométrie très simple, puisque justement, elles satisfont cette égalité qui est très restrictive. Aide linéaire, c'est quand même une chance, enfin, c'est très simple. Mais nous, voilà, sur l'ordinateur, on fait que du linéaire. Et de temps en temps, on met du non-linéaire, mais pour le moment, que du linéaire. So we can exploit the fact that there is a vector space isomorphism between Rm times n of m times n matrices and the space of m times n vectors. Okay? So this phrase here says that I can identify this matrix here, which is in R12. This is a matrix in R2 times 2 times 3, but I can see this tensor as an element of R12. Okay? There is an isomorphism. On va expliciter l'isomorphisme dans un cas particulier. Okay, for example, if I take the space E of matrices A, B, C, D, okay, so this is the space R2 times 2, square matrices, M2 of R, this is the same. I want to construct an isomorphism between E, let's call it phi, and F, which is just R4. Okay? And I want that is a isomorphism. What does it mean this is a isomorphism? Well, it means that every single point here is going here. The identity is going to the identity. And the addition of two is going to the addition of two vectors. Okay? So, phi of a matrix A, B, C, D will be just A, B, C, D. Okay, this is very simple. This is the isomorphism between those two spaces. And you can see that what is the image of the identity here? Here, the identity. 1 1 0 0. This is going to 1 0 1 0. Okay, and what is phi of A plus B? Okay, well, this will be the vector A
plus A tilde, B plus B tilde, C plus C tilde, D plus D tilde. And this is actually equals to phi of A plus phi of B. Okay? So, sorry, this is not the identity. It's not the multiplication, it's the addition. So, zero goes to zero. Okay. So, this is a isomorphism of a linear space. The origin is going to the origin, and the sum of vectors is going to the sum of the images. Okay. Donc, ça, c'est un isomorphisme, c'est-à-dire que ces deux espaces, je peux les identifier. Ils vont se comporter grosso modo comme la même chose. Okay. Alors, un autre isomorphisme qui est important, c'est c'est le projectif. Vous pouvez identifier R à un cercle. R bar, c'est-à-dire R union l'infini, c'est la même chose que la sphère de dimension 1, c'est-à-dire le cercle ici, à travers les projections de Riemann, de la sphère de Riemann. Vous prenez ici le pôle nord et vous faites correspondre chaque point du cercle avec un point de la droite. Et vous pouvez voir que n'importe quel point du cercle est associé à n'importe quel point de la droite. Donc, je crée une application bijective entre le cercle et la droite réelle étendue. OK. Therefore, we can reshape our matrices into vectors of length m times n and pq respectively. Okay. So, on peut en fait identifier un tenseur, éventuellement un vecteur très grand. Là, ma petite matrice d'image, là, le RGB, bah, il était comme ça, et en fait, c'est un vecteur en R12. Je suis passé en dimension 12. OK, donc, quitte à augmenter la dimension, je peux identifier tout à un vecteur. Et en fait, c'est un théorème général. C'est un isomorphisme qui dit que n'importe quel espace vectoriel E de dimension finie, et ça c'est très important. Okay. Tout espace vectoriel de dimension finie, il existe un entier N tel que E est isomorphe à Rn. C'est un théorème super puissant parce que les profs en première ou deuxième année, ils sont tout contents à vous montrer plein d'espaces vectoriels différents, les matrices, c'est l'espace vectoriel, les polynômes, c'est l'espace vectoriel, les trucs comme ça. Il n'y a pas que les petites flèches. Et en fait, plus tard, on vous montre qu'en fait, oui, il n'y a que les flèches. Il n'y a pas de choses. Les autres espaces vectoriels de dimension infinie, c'est des RL. C'est pas vrai en dimension infinie. En dimension infinie, c'est le zoo. Il y a vraiment plein de choses bizarres qui se passent en dimension infinie. En dimension infinie, tout se descend. OK? We have this example here. I think we can try to understand the example. And that's quite important. So, gradient of vectors with respect to matrices. Okay? In practical application, it is often desirable to reshape the matrix into a vector and continue working with this Jacobian matrix. The chain rule boils down to simple matrix multiplication, whereas in the case of a Jacobian tensor, we will need to pay more attention to what dimensions we need to sum out. Donc là, il y a un exemple. On va essayer de l'analyser ensemble. Gradient of vectors with respect to matrices. Let us consider the following example. F is just a matrix multiplication, A times X. F is a m-dimensional vector. A is an m times n matrix, so it's a rectangular matrix. And X
is a n-dimensional vector. We seek the gradient BFDA. Let us start again by determining the dimension of the gradient S. Donc là, on utilise la formule qui est là. Et donc, on dit, voilà, cet objet, que je n'ai pas encore calculé, vit dans cet espace. Il a m lignes et n croix m plans dans chaque ligne. By definition, the gradient is the collection of the partial derivatives. Donc là, on dit juste, voilà, le gradient, c'est quoi? C'est juste la dérivée de la composante de la fonction par les variables. So, this is f1. Maybe I can precise more the example here. So this is F1, F2, Fn. F is F1, Fn. Okay? So the derivative of F with respect to A is just the derivative of F1 with respect to A, and everything the same. Okay. Now, each component here, since this is in R, how many dimensions I have? I have M times each thing inside is of dimension M times N. Now, this thing, I can see it right now, is because the derivative of fi with respect to a, derivative of fi with respect to a, is actually an element of R m times n. Okay? So I have m copies of things like that, and these things, so I have m copies of those derivatives, and those derivatives are this space. Okay, m times n. Now, we compute the partial derivatives of fi with respect to a. We're going to explicitly write the matrix multiplication. Okay, so what is fi here? Fi, so since f of x is a times x, remember that f is this function, fi is the ith component of this result. Fi is ax i. J'extrais la im composante de la multiplication matricielle. Eh bien, une multiplication matricielle, vous savez que ça s'écrit comme une somme. C'est la somme de aij, xj. Et vous faites la somme pour j égale 1 jusqu'à n. 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 Ça va, donc, ouais, donc ça, c'est ma fonction. Et je veux dériver ça par rapport à. En gros, si c'était un. Imaginez que c'est une constante. C'est quoi la dérivée de A fois X par rapport à A? X, non? Donc on va voir si on trouve un truc un peu similaire. Donc maintenant, ça c'est ma composante ici. Et je dois calculer quoi? Ben, je dois calculer ça. La dérivée de Fi par rapport à. La dérivée de Fi par rapport à. So, maybe there.
the derivative of fi with respect to a is the derivative with respect to a of this term, the sum of j equals 1 and of a I j x j. Okay, so I want to compute this derivative, but what is the derivative with respect to a? Well, this a is this matrix a cubi. A is denoted as a I j. Okay, so this is just a recall. Quand je parle de la matrice, je peux l'appeler A, ou je peux l'expliciter un peu plus en disant que c'est A IJ, qui est la deux composantes, ligne colonne. Okay, donc ça, c'est ce qu'on fait ici. En fait, je calcule la dérivée par rapport à la A, à la IQM composante de cet objet. Okay, donc ici, si je... En particulier, si on dérive par rapport à une des entrées de la matrice, okay, je trouve que la dérivée de phi par rapport à la IQIM entrée, donc c'est la IQIM entrée, hein, donc je vérifie cet objet, donc vous voyez que il faut que ça soit A et Q. Tous les autres sont nuls. Hein, si ces indices ne sont pas l'indice dans cette somme, quand je dérive, c'est comme si je dirais par rapport à une constante, donc c'est 0. Hein. Donc le seul qui ne va pas s'annuler, c'est le QIM. Donc ça, c'est XQ. On va la suivre ? Non. Ça, c'est une somme. Hein. Par exemple, si je dis un truc, là, je veux calculer la dérivée par rapport à alpha i de alpha 1 plus alpha 2 plus alpha i plus alpha n. Hein. Le seul qui ne va pas s'annuler quand je dérive par rapport à alpha i, c'est lui. Tous les autres, ça se barre. Ouais. C'est la même chose ici. Quand je dérive par rapport à alpha IQ, donc un d'entre eux, de toute la matrice, le seul qui ne se barre pas dans cette somme, c'est celui qui a Q dans le, pour J égale Q. Voilà, parce que si ce n'est pas le bon, ce IQ-là, dans cette somme, ça va s'en aller. Hein, peut-être que je peux l'expliciter un peu plus, cette somme, tu vois. Cette somme-là, c'est quoi? C'est la somme de A1J fois X1 plus A2J fois X2 plus blablabla AQJ XQ plus blablabla plus AMJ XM. C'est pas trompé d'indice. Ouais, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse. Parce que c'est une somme sur J. C'est la somme sur J. Oui, j'ai inversé les indices. Oui. Vous voyez un peu. Oui. L'idée, c'est que quand je dérive du coup par rapport à A et Q, le seul qui se. Enfin, tous ceux-là sont bons. Et le seul qui s'en va pas, c'est lui. Mais comme je dérive par rapport à le A, le truc qui reste, c'est X. Ok. Dérive par rapport à A. Si tu veux par rapport à la composante A, c'est à deux oui, tu dérives par rapport à X. Ouais. Voilà. Je vois. J'obtiens XQ. Je l'ai vu en posant. Ouais. C'est bon pour les autres? Bon. Alors là, on a presque fini. Quand j'ai dérivé FI par rapport à la IQIM entrée de la matrice, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé la QIM composante de X. Autrement dit, si je reviens un cran en arrière,
ce que je trouve ici, c'est x1, x2, xm. C'est-à-dire le vecteur x. Voilà, transposé, c'est juste pour le mettre derrière. Okay. Donc, comme en dimension 1, la dimension de AI, la dérivée de AX par rapport à A, c'est X. Donc là, c'est pareil. Hein, j'ai trouvé un vecteur, non pas un X, mais un vecteur de X. Et du coup, pour tous les éléments, il y aura le premier X, le deuxième élément, ça va être le deuxième X, etc. C'est ça. Donc ici, tu vois, j'ai trouvé que ça, c'est X1. Donc ça, c'est Xm. Ouais, voilà. Voilà, c'est bon, cet exemple. De toute façon, vous l'avez dans le livre. Moi, je ne comprends pas. C'est un exemple ou c'est une démonstration? Ah, c'est la démonstration de l'exemple. C'est-à-dire, c'est un exemple, parce que c'est un cas particulier, de dérivée par rapport à une matrice. Mais c'est la démonstration que la dérivée de ça par rapport à A, c'est X transposé. Voilà. C'est un peu comme, voilà, si on dit, si je, c'est un peu comme si je vous démontre que la dérivée de x carré, c'est 2x. Hein? Si je vous démontre ça, par la limite, quand h tend vers 0, c'est une démonstration, mais c'est un exemple de dérivée par rapport à x. Ouais. Donc là, c'est pareil. Hein? En fait, voilà, vous n'avez jamais dérivé par rapport à une matrice. C'est la première fois. Mais en fait, on peut dériver n'importe quelle quantité par rapport à des matrices, sauf que ces objets-là, de manière générale, vont être des tenseurs. Et là, ici, bah, c'est un cas très particulier où le résultat, bon, c'est un tenseur de dimension 1, c'est un vecteur. Okay. Mais je ne comprends pas en quoi c'est un cas particulier, parce que moi, ce que je vois écrit, c'est n'importe quel f égale n'importe quel a et x. Et ensuite, j'ai des conditions sur mes dimensions. Donc, c'est le cas particulier, c'est les conditions sur les dimensions. Le fait que f soit sur Rm, que a soit sur m fois n, et que x soit que sur n. C'est-à-dire que ça, c'est une fonction particulière. C'est une matrice ou un vecteur. Et tu vois, j'aurais pu prendre une autre fonction. J'aurais pu prendre ax plus b. J'aurais pu prendre sinus de x fois a carré. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre expression. Ok. Là, j'ai pris juste le cas linéaire. Ça va. Ok. C'est bon pour cet exemple? Bon. Alors, ici, ok. Il y a un autre exemple, voilà, le 5.13, qui est gradient of matrices with respect to matrices. Donc là, on complexifie un peu la chose. Donc, je prends une matrice R et je définis une fonction, un peu comme tout à l'heure, f de x égale à x, comme étant R transposé R. Okay. Donc, je prends une matrice R et je fais le produit des transposants. Ça, c'est une opération importante parce que ça vous donne une matrice symétrique. Vous pouvez construire des matrices symétriques comme ça, même si vous avez une matrice non symétrique à la base. Si vous prenez une matrice à transposer et multiplier, ça vous fait un truc symétrique. Alors, il y a un cas particulier ici que vous allez voir, je pense, avec Winston. Qu'est-ce qui se passe si le résultat de ça, ça fait l'identité? Ça s'appelle comment ces matrices? Vous l'avez vu en deuxième année. Si, en fait, c'est, ça serait, voilà, je, effectivement, si je n'écris pas, vous le savez, je vais vous mettre ça au tableau tout à l'heure. Donc, si vous avez une matrice A, A transposé A égale identité. En fait, c'est les points fixes de cette application. Ça, c'est la chose. C'est quoi les matrices telles que A transposé A égale identité? C'est-à-dire, on peut dire ça autrement, ça c'est équivalent à dire que
l'inverse de A, c'est sa transposée. Oui, les matrices orthogonales. Ok. Alors, il y a un truc super important avec le déterminant. C'est quoi le déterminant? Qu'est-ce que ça vous dit, le déterminant? C'est l'air de... Je vais passer à... Bon. L'air de la figure que va composer cette matrice.
Là, vous m'entendez? Oui, merci. Donc, les points fixes, du coup, sont les solutions de cette équation-là qui est très importante. Cette équation-là, elle est fondamentale en mathématiques parce que, en mathématiques, pour comprendre quelque chose qui est compliqué, vous devez comprendre d'abord qu'est-ce qui ne change pas. Pour naviguer dans la mer, qu'est-ce qu'ils font, enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient les marins? L'étoile polaire. L'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est la seule étoile dans le ciel qui ne bouge pas. D'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion, vous pouvez faire un time-lapse avec votre téléphone. Je vais bien voir. Et vous verrez comment la voûte céleste bouge au cours de la nuit. Et la seule étoile qui ne bouge pas, c'est ça. Le reste, c'est un point fixe. Pour comprendre en mathématiques des objets compliqués, souvent on cherche les trucs qui ne changent pas, les points fixes. Okay. Donc là, ici, en fait, ce qu'on a trouvé dans l'exercice, c'est que pour cette application-là, les points fixes sont les matrices orthogonales. Okay. Alors, screen one. Voilà. Okay. Bon, ça, c'était un commentaire. Maintenant, on va lire l'exemple. Consider a matrix R in M times N and a function F that goes from Rm times N to Rm times N. Donc ça prend une matrice, ça recrache une matrice. Et on veut calculer la dérivée de cette fonction par rapport à R. Ok? Est-ce que j'ai un pointeur ici? Je crois pas. Avec votre souris. Ah oui, avec la souris. Bon, ok. Donc, mon objectif, c'est ça. C'est calculer la dérivée de K par rapport à R. To solve this problem, this hard problem, let us first write down what we already know. The gradient has the dimensions. Okay. Donc, on commence par dire, ok, je ne sais peut-être pas calculer ce machin, c'est pas grave. Je sais au moins que c'est un tenseur de cet ordre-là. C'est un objet qui vit dans cet espace-là, dans Rm cube, 3m. Maintenant, voilà, on dit ceci est un tenseur. Ok, on va prendre juste une entrée comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, j'ai dit ok, cet objet-là, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais prendre une entrée. Je vais dégrossir le problème. Je prends un... Donc, je dégrossis le problème et je dis ok, la dérivée de la pqm composante de K, et ça c'est une matrice. Par rapport à R, ça, je l'ai déjà fait avant. Donc ça, ça me donne... Là, j'en ai pris une ici. C'est pour ça qu'il y a un 1 ici, parce que là, j'ai pris une entrée. Donc la dérivée de ça par rapport à R, c'est une matrice de MM. Bon, le 1, il est là pour faire beau, mais c'est juste une matrice. Where KP is the PQ entry of K. Okay. Le denoting the ith column of R by Ri, every entry of K is given by the dot product of two columns. Hein? Chaque entrée de la matrice, comment vous faites pour calculer la matrice, c'est ligne colonne. Hein? C'est un produit scalaire. Quand vous faites ligne colonne, en fait, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, c'est un produit scalaire. Hein? C'est ce qui est marqué là. Is given by the dot product of two columns of R. That is to say, KPQ is the dot product, c'est le produit scalaire, hein, un vecteur ici horizontal par un vertical. Et ça, je sais l'écrire comme la somme de 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3. So, c'est la somme de RMP, RMQ. Okay? Et la somme runs from 1 to n. Jusque-là, essayez de l'écrire sinon sur une feuille, un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Hein?
voulez essayer? Comme ça, on voit si vous sortez quelque chose. Voilà, essayons d'arriver jusqu'ici, au moins. 5.97. Vous pouvez reprendre petit à petit à votre rythme, chacun. Et essayer justement de voir si vous comprenez ce qui est marqué. Okay. Pas forcément on va calculer le tout à la fin, mais au moins comprendre à quoi ressemble chaque objet. Bon, déjà, si on essaye par exemple ça, okay, ça va ressembler à quoi un objet dans R, N, croix M, croix M, croix M. Hein, on va essayer de dessiner le truc. Okay. Alors, N, croix M, c'est une matrice carré de taille M. Okay, donc, je dessine un petit carré ici. Okay. Et j'ai combien de copies de ça? Eh bien, j'en ai M croix N. Okay. Donc, je peux le penser de plusieurs manières. Je peux penser que j'ai un objet ici, voilà, N croix N, et que je remplis un objet comme ça dans chaque entrée d'une matrice de taille M croix N. Okay, donc, ce truc-là rouge, je vais le ranger dans, en fait, un ensemble plus grand. Voilà, c'est une matrice de... Okay, tac. De M par M. Okay. Et à l'intérieur, je range un petit truc rouge comme ça. Donc ça, c'est MN, MN, MN. Okay. Si N, c'est égal à 1, ça revient à un vecteur, en fait. Alors, si N, c'est ça, ouais, est égal à 1, ça revient à un vecteur. Okay. Donc ça, c'est une façon de le comprendre. Vous prenez une matrice de taille M croix M, et au lieu de mettre des entrées, vous dites, voilà, je vire les entrées, je mets une matrice carrée de taille N fois M. Okay. Donc, vous avez dans chaque entrée de cette matrice, une matrice. Okay. Donc ça, déjà, je sais à quoi je m'attends. Vous voyez, je vois la géométrie de cet objet. Je ne sais pas le calculer, mais je vois un peu à quoi il ressemble. Ensuite, on me dit, je vais prendre une entrée particulière, KPQ, qui est la KPIM entrée de K. Okay. Donc, K, c'est ce produit-là. Okay. C'est une matrice, et vous prenez juste une entrée. Ça, c'est, enfin, ça, vous comprenez depuis longtemps, depuis la première année. Hein. KPQ, c'est l'entrée dans la matrice. Et je dérive cette entrée par rapport à R. Maintenant, ici, on dit, voilà, on va dénoter par RI la IN colonne de R. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, je vais faire ça. Je vais m'ouvrir ici un
notability. Non. C'est pas ça. Ça. Mais. C'est pas plutôt l'inverse, c'est pas plutôt une matrice de n fois n avec des éléments de n fois m. On peut la comprendre de plusieurs manières. Parce que là, j'ai l'impression que ce qui nous reste, en fait, ça va être une matrice m fois n dans la dérivée. On va prendre là l'élément, un élément qui va être une matrice m fois n. Oui. Okay. Tu parles du 5.94, qu'on peut le comprendre d'une autre façon? Ben, en fait, je trouve que si le 5.94, on comprend enfin, de la même manière que vous, mais juste en inverse, on prend une grande matrice carrée n fois m avec à l'intérieur des matrices m fois n. Le point 95, on peut le comprendre comme on prend une de ces matrices m fois n dans cette matrice carrée. Oui, on peut faire ça aussi. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a vraiment le choix à cause de l'isomorphisme. Okay, ces objets-là, d'un point de vue informatique, par exemple, je vais vous montrer un exemple. D'un point de vue informatique, c'est un peu la même chose. Vous voyez. Alors, par exemple, ici, une matrice, c'est une liste de listes. Donc, par exemple, la matrice A, B, C, D, elle s'écrit comme ça. Okay, ça, c'est la matrice ABCD. Maintenant, à l'intérieur de cette matrice, je peux mettre d'autres choses. Et vous voyez la différence, du coup, par exemple, entre ta version et la version que j'ai mis, ça va être l'ordre des listes, mais qui peut avoir une importance lors d'un calcul exact. Okay? Donc là, pour le moment, ça n'a pas d'importance, mais si on passait sur l'ordinateur, ça aurait une importance. Okay. Mais oui, effectivement, donc là, ici, ce que dit notre collègue, c'est que je peux. Au lieu de regarder, je prends de l'orange. Je peux prendre du coup une matrice M en M. Et à l'intérieur, des petites matrices rectangulaires cette fois-ci, qui seraient donc L, M, croix M. Okay. Et donc, du coup, ce qu'il dit, c'est quand je dérive par rapport à R, je pioche l'une d'entre elles, l'une des oranges. Okay. Voilà. Ensuite, ici, la PQIM composante de K, on a dit, ça s'écrit comme un produit scalaire. L'entrée d'une matrice qui est définie comme un produit, c'est ligne fois colonne scalaire. Donc ça, normalement, pour vous, c'est bon. Le 5.96, pas de question. Et maintenant, c'est là où ça commence à être plus intéressant, le 5.97. La dérivée de cette entrée de la matrice K par rapport à RIJ, regardez l'expression. C'est quoi? C'est une somme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce truc-là, c'est une somme. Donc, quand je dérive par rapport à RIJ, je rentre la dérivée dans la somme. Ça me fait la somme de la dérivée par rapport à RIJ du produit. Ça veut dire que la dérivée de la somme, c'est égal à la somme de dérivée. Oui, ça, c'est la linéarité de la dérivée. OK. Hein, c'est U plus V prime, c'est U prime plus V prime. Et maintenant, là, c'est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'obtiens? Vous voyez, c'est MP, MQ. Oui. Si je dérive par rapport à IJ, hein, ça, si je dérive par rapport à IJ, hein, là, vous voyez, c'est une somme qui va pour M égale 1 à M. Donc, vous pourriez, par exemple, écrire la somme explicitement pour voir un peu mieux. Pas comme tout à l'heure, on a écrit ensemble. Et bien, à la fin, j'obtiens juste cet opérateur différentiel qui est la dérivée par rapport à la PIM variable, par rapport à la PIM ligne de la QIM colonne du résultat en IJ. Non, pas je vois. Si.
Je sais que c'est compliqué, mais il faut le faire plusieurs fois et ça vient. Alors, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici, l'ordinateur a déjà été codé pour le faire. Hein, si vous utilisez TensorFlow, TensorFlow, un truc de Google, toute la descente de gradient est déjà faite dans la machine. Et il fait ça. Vous n'allez pas le faire, mais vous devez au moins savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça marche. Okay. Vous voyez, c'est pas si simple. Okay. Voilà. Donc après, ça continue un petit peu. Et en fait, il y a une discussion sur la valeur de cet opérateur différentiel en fonction des indices. Donc si J égale P, mais que P est différent de Q, ça va me donner RIQ. Si J est égal à P, mais différent de Q, alors c'est ça. Ça fait deux fois ça, si sont tous égaux, ou zéro souvent. Faites, je sais ce qui serait bien. Vous prenez une petite matrice, vous prenez un N petit, et vous le faites à la main. OK? Pour la prochaine fois, vous pouvez essayer de me montrer si vous le faites. Vous avez compris? Au lieu de prendre le cas général où on ne voit rien, prenez une petite matrice de 2 et 3 de 3. C'est ça? C'est ça là qu'on fait? La partie basse, c'est ça? Visuellement, c'est ça qu'on fait? On est à la PM ligne, voilà, la grosse matrice, c'est la QM colonne. Et on est en train de la IGM. Sur cette matrice-là même, on est à la IM entrée, enfin IM ligne et QM colonne. Et on dérive cette entrée par rapport à la matrice. Voilà, super. Ouais, c'est là. Et pourquoi on ne voit pas ça comme une énorme matrice? C'est-à-dire que ce n'est pas une énorme matrice. Il y a le théorème d'isomorphisme qui me dit que je peux voir cet objet comme un gros vecteur. Ça, je sais faire dériver par rapport à des vecteurs. Donc, ça veut dire que je peux voir tout ça comme un vecteur avec que des composantes et je dérive chaque composante par rapport au vecteur même. Oui et non. Oui, mais il faut faire la composée de jacobienne. Parce que là, l'isomorphisme que je vous ai écrit tout à l'heure, c'est une transformation un peu comme le coordonnée cartésienne, coordonnée polaire. Et il faut rajouter le jacobien à cette transformation. Okay. En mathématiques, il y a un principe qui dit que ce qui coûte cher, coûte cher. Le prix des choses, il est fixe. Okay. Et si vous voulez un truc, il faut payer ce prix. Alors, parfois, on a l'impression qu'on fait bonne affaire. Parfois, on a l'impression que ça n'a pas coûté cher. Parce qu'en fait, on a utilisé un autre théorème ou un autre résultat qu'on a dû payer par ailleurs. Parfois, on arrive et on dit, voilà, j'invoque tel théorème et tout pas facilement. On a l'impression que ça ne coûtait pas cher. Mais le théorème en question, lui, il a aussi un prix. Donc, il y a une notion un peu comme ça en maths, de les choses ont un prix et ce prix est invariable. Vous devrez le payer d'une manière ou d'une autre. Donc là, effectivement, par exemple, je peux calculer les choses comme ça, mais il y a des calculs moches au milieu avec les jacobiens. Il faut se trimballer. Donc de toute façon, c'est difficile. C'est ça que quelle que soit la façon dont tu vois, c'est quand même difficile. Et donc c'est ce qui est dit là. Hein. C'est ce qui est dit là. Je me retrouve ça là. In practical applications. It is often desirable to reshape the matrix into a vector. And continue working with this Jacobian matrix. The chain rule boils down to simple matrix multiplication. Donc, à un moment, il faut de toute façon s'appeler Jacobien. Et après, c'est une multiplication de matrice. Mais la partie difficile va être le calcul des Jacobiens. Et c'est un vecteur de matrice. Donc, on parle d'un vecteur qui contient lui-même des matrices. Non, juste un vrai vecteur. Okay. Et voilà, faites un petit test avec des petites matrices et vous voyez ce que ça va. Juste, parce que dans tous les cas, on ne calculera jamais les jacobiens ou les trucs. Non, vous ne les calculerez pas, c'est l'ordi qui calculera, mais vous devez savoir ce qu'il y a derrière. Oui, oui. Pourquoi vous devez savoir?
Parce que c'est surtout quand ça ne marche pas que vous devez chercher la source d'erreur. Alors, par exemple, quand vous allez entraîner un réseau de neurones, ça va, par exemple, pas marcher, ça va vous donner n'importe quoi. Et là, vous devez être à la chasse des raisons pour lesquelles. Alors, souvent, ça peut être, par exemple, le pas, l'optimisation de gradient, le learning rate. Ça peut être la qualité des données, ça peut être, par exemple, il y a un truc qui s'appelle le vanishing gradient. Il y a un phénomène très particulier pour lequel il y a pas mal de recherches là-dessus. C'est qu'est-ce qui se passe quand le gradient devient très petit. Quand le gradient devient très petit dans l'algorithme du gradient, j'avance très peu. Ça s'appelle vanishing gradient. Et c'est un phénomène, voilà. Et voilà, tout ça, il y a encore beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Il faut comprendre la théorie derrière pour avoir une... Parce que vu que c'est l'ordinateur qui calcule, est-ce que peu importe la méthode qu'on va utiliser, ce sera le même temps de calcul? Ou est-ce que, par exemple, le fait de voir ça comme un vecteur et de calculer le jacobien, ça raccourcit ton calcul? C'est une autre question. Ça ne sera pas forcément le même temps de calcul. Ouais. Par exemple, pour la multiplication de polynômes. Vous, quand on vous apprend à multiplier des polynômes, on fait la distributivité. Et ça, d'un point de vue complexité algorithmique, c'est mauvais. Il y a un algorithme de multiplication rapide qui s'appelle l'algorithme de Horner. Et justement, c'est pas du tout naturel comme multiplication. Voilà, ou l'exponentiation rapide, ça c'est peut-être vous le connaissez, vous l'avez peut-être vu en ce moment. L'exponentiation rapide, si tu veux calculer genre x puissance 1000, bah, il y a une façon intelligente de calculer ça en un nombre minimal d'étapes. Mais effectivement, ça c'est un truc qui joue. La façon dont on réalise les actions peut avoir un impact sur le temps. D'autres questions? Non? Ok. Bah, écoutez, on se voit la semaine prochaine. Non, la semaine d'après, peut-être. Non, vacances, la semaine d'après. Pour les vacances, c'est clair. Je ne vois pas la semaine prochaine, je ne vois rien dans votre plan. Ah oui, c'est dans deux semaines. Ok. Quand tu joues, c'est plus mieux.